Allez, alors aujourd'hui, donc on reçoit Jack de Knucklehead, qui a sorti l'album Holsters and Rituals, qui est sorti le 18 mars dernier, si je ne m'abuse. Hello, c'est ça. C'est votre deuxième album, hein, c'est ça? Deuxième album, ouais. Et on avait un EP, on a commencé par un EP et deux albums par la suite. Ok. Impeccable. Alors, tu vois, je regardais un petit peu, j'aime bien m'amuser à regarder toujours les styles et tout ça, puis même surtout avant de regarder ça, je discutais avec Joe, donc mon comparse chez Loud TV, et je disais, c'est pas du stoner, c'est très country, et c'est rigolo parce que justement, je regarde votre appellation, alors, vous appelez ça de la dark country, alors tu peux m'expliquer un petit peu le concept du dark country? Ouais, en fait, Knucklehead, c'est vraiment, on peut dire que c'est un ovni dans le monde du rock. C'est pas stoner, c'est pas country classique non plus. En fait, on a utilisé dark country parce que finalement, ça va être tout et rien dire. Surtout pour interpeller les gens qui lisent ce style. Et c'est vrai qu'on met tout le temps les groupes, les artistes dans des cases. Et Knucklehead, honnêtement, je ne saurais pas te dire la case exacte où on pourrait le mettre. Donc finalement, on s'est dit, bah, vas-y, on va créer notre case nous-mêmes. On va l'appeler Dark Country parce que ça sonne bien et parce que ça interpelle les gens. Et finalement, ça décrit bien ce qu'on fait. Et pour être plus précis, en gros, on fait un mélange de tout ce qu'on aime, moi et Jock, du stoner, de la country, du rock, des fois du hard rock. Des fois un peu pop, voilà, donc psyché, voilà, un gros mélange de plein de choses. C'est marrant que justement que tu me parles de la pop parce que quand j'ai écouté justement Holsters and Rituals, je me suis dit il se passe plein de choses. Donc évidemment on a ce côté stoner dans laquelle on est assez à l'aise qu'on reconnaît. Mais j'ai remarqué aussi beaucoup de choses comme The Doors dans certaines Ouais. intonations et même dans ta voix il y a des choses qui m'ont fait penser à Dave Gahan de Depeche Mode. Et, alors je sais pas si je me plante, mais Non, non, pas du tout. Alors, Je me suis Doors, vraiment alors, ressenti là-dedans. ouais, Doors, c'est un groupe qu'on aime beaucoup avec Jock, mais ce n'est pas vraiment une inspiration. Disons que c'est un groupe qu'on aime bien, mais qu'on n'écoute pas à fond. Par contre, Depeche Mode, vraiment, tu as tapé dans le bon, parce que c'est un groupe qu'on adore, moi et Jock et moi, surtout en live. Je trouve que c'est beaucoup plus rock en live et bon, tu as des chansons qui n'ont pas trop bien vieilli en studio, on va dire, mais pour ce qui est du live, c'est vrai qu'il y a beaucoup de retours et beaucoup de gens m'ont dit que j'ai le timbre de voix de Dave Gahan et ce n'est pas pour copier ou quoi, c'est juste qu'en fait, à force de travailler, c'est venu comme ça et c'est vrai que ça ressemble un peu et je suis d'autant plus content parce que c'est un groupe que j'aime. Et je te promets, j'ai vu aucune critique là-dessus. Je ne suis pas allé piocher. C'est vraiment l'impression que j'ai Ouais, eue. ouais, Hein, ouais. donc, c'est vrai que moi, j'ai vraiment adoré. Tu vois, moi, j'habite au pied des Pyrénées. Je me suis dit, tiens, j'écoute votre musique. Je suis très bien dans mon jardin, regardez mes montagnes. Et puis je suis bien, quoi. En fait, tu vois, je sais pas comment expliquer ça. Alors, je sais pas d'où vous êtes originaire en France, en fait. Mais à quel moment, en fait, on a l'idée d'écrire ce type de musique qui est pas spécialement très française, quoi. C'est très all-américaine, j'ai envie de dire. À quel moment on écrit ce type de musique et où on a envie, en fait, de le faire? Alors, nous, on vient d'Alsace. OK. Donc, sans pouvoir l'expliquer vraiment, j'ai toujours été attiré par les grands espaces américains, la liberté, tout ça, qu'on découvre en fait quand tu es gamin à travers les films. Et je trouve qu'en Alsace, il y a un lien entre les États-Unis et nos plaines chez nous. Et par exemple, un truc hyper con et hyper concrète, tu as une ville au Texas qui s'appelle Castroville, où tu as des maisons à colombages, et tu as une communauté qui parle alsacien, des fois mieux que dans nos villages ici, quoi. Excellent. Donc c'est assez dingue. Et ouais, tu vois des maisons à colombages alsaciennes aux États-Unis, au Texas, ça, c'est comme ça, c'est dans leur culture.
ça fait partie de leur patrimoine. Et en fait, mon prof de guitare avait fait un album là-bas. Du coup, il était très ancré culture alsacienne, mais country aussi. Et je pense que c'est ça qui m'a, disons, je me suis détaché de la country quand j'étais ado parce que j'en avais un peu marre, quoi. Mais c'est vrai que toutes les bases qu'il m'avait apprises, ça a permis, je pense, à faire mûrir Knucklehead. Et ouais, l'idée, c'est de toute façon, la country, c'est américain. On avait une imagerie très western américain biker en fait dans l'album 2 et enfin le premier album qui s'appelle 2 Ouais. du coup là on a plutôt voulu partir vers un univers qui soit western mais plus européen par exemple comme toi moi en fait quand je suis inspiré quand je me balade dans les forêts chez nous quand je vois des ruines de châteaux qu'on a en Alsace j'ai des riffs de stoner qui m'arrivent dans la tête directement. Du coup, voilà, on voulait plutôt un genre de retour aux sources sur culturellement ce qui nous caractérise le plus, parce que je suis plus inspiré par les forêts, les châteaux d'ici que le désert d'Arizona que j'ai que vu en film finalement. Donc voilà, c'est un peu un mix comme ça de musique américaine qu'on essaye de ouais, transformer, d'apporter quelque chose de nouveau en fait avec notre culture à nous. Tu m'amènes vraiment sur le terrain sur lequel je voulais aller parce que justement quand j'ai écouté deux j'avais dans les oreilles beaucoup de Black Label Society, du Down, du Hank Williams Three et du Clutch. Il y avait tout ça et je me dis que d'un coup là avec votre nouvel album il y avait une synthétisation de tout ça, mais avec la patte française, quoi. Donc, je veux dire, c'est une sacrée plus-value que vous avez apportée là-dessus. Et déjà, comment s'est faite la maturation entre ces deux albums? Alors, la maturation, c'est question compliquée, ça. Ouais, j'aime En bien. tout cas, le premier EP, on l'avait fait dans une cave dégueulasse, nous-mêmes, à partir de zéro, avec un micro. Le deuxième album, on l'a fait dans le même studio que le dernier, sauf qu'on l'avait fait en une semaine. Donc, c'était un peu une production un peu punk, brute. Et je pense que ces deux premiers opus, nous ont vraiment permis de tester plein de choses et de savoir vers où on veut aller. Et je pense que c'est notre maturité personnelle à Jock et moi aussi, ce qu'on vit. La période Covid aussi a joué pas mal parce que voilà, on voulait aller dans un univers plus dark, plus sombre, pour avoir un univers plus mature, on va dire. Mais c'est vrai qu'avec tous les épisodes Covid et tout, ça nous a forcément boosté vers ce chemin-là. Et ouais, je pense que c'est l'expérience aussi beaucoup sur scène avec nos instruments, le fait de pouvoir jouer d'autres choses, de tester plein de choses en live. Parce qu'à la base, Knucklehead, c'est parti de l'improvisation et toutes les musiques partent de là. On teste des riffs en impro en fait et on crée des musiques à partir de là. Et je pense que ouais, c'est notre expérience personnelle, le fait qu'on soit entouré de gens de plus en plus pros, notamment Rémi au studio qui nous aiguille sur des arrangements, des choses comme ça. Et finalement, on a un genre de là, on a un bagage qui fait que on arrive à avoir plus de recul, peut-être, on sait ce qui fonctionne ou pas. Du coup, c'était compliqué enfin, c'était beaucoup de travail de créer cet album, mais en tout cas, on savait vers où on voulait aller. On avait déjà notre ligne directrice, et je pense que c'est grâce aux albums précédents et notre cheminement depuis le début du groupe qui nous a permis de faire ça. Et est-ce que le fait d'être juste à deux, ça vous permet d'avoir une musique qui est plus organique justement et qui vous ressemble le plus, qui est très intimiste en fin de compte? Ouais, je pense, ouais. Je pense que, en fait, ça nous est paru logique de faire un groupe à deux dès le début, parce que, en fait, on s'est rencontrés par hasard. Et on a toujours construit le projet autour de ça. Un jour, au début, c'était deux guitares acoustiques, donc pas du tout le setup qu'on a aujourd'hui. Et un jour, Jock voulait passer à la batterie.
Et du coup, j'ai dû arranger les morceaux pour pouvoir les jouer tout seul à la guitare. Et par contre, on a toujours gardé une genre d'osmose entre nous deux. Et effectivement, je pense que si tu rajoutes un troisième membre dans l'équipe, ça va casser le concept et cette osmose. Et je pense que ouais, ça va tout simplement plus être knucklehead en tout cas. Parce que même sur scène, enfin, je veux dire, y a pas de line-up studio et scène, c'est que même sur scène, vous êtes tous les deux. Donc, je veux dire, faut occuper l'espace. Votre musique, en fait, se prête à ça, à occuper l'espace. En fait, moi, j'aime beaucoup écouter au casque parce que ça permet de se rapprocher beaucoup avec ce qui se passe. Mais on a l'impression de se faire embarquer. D'être dans un univers et j'ai le sentiment, parce que je ne vous connais pas encore sur scène, mais j'ai le sentiment de ce que j'ai vu en image, qu'il se passe un peu la même chose quand vous produisez. En fait, ce qui est marrant, c'est que quand on crée, quand on compose les chansons, on sait qu'on est deux, donc on se dit. Va falloir le faire en live plus tard. Donc, on va pas commencer à mettre des machines derrière et tout ça. Et j'ai eu un peu peur au début quand on est allé en studio parce qu'on est là, cet album, on était un mois en studio, on a fait beaucoup de recherches d'arrangements et tout. Et quand on a placé des arrangements, je me suis dit, oula, comment on va faire ça en live? Parce que c'est vraiment important pour nous de justement d'occuper l'espace autant que sur le disque. Et finalement, bah, ça le fait très bien grâce à notre setup. Mais c'est vrai qu'au niveau de la compo, on réfléchit déjà, est-ce que je vais être bloqué à mon micro? Pourquoi pas enlever des paroles pour que je puisse bouger, tu vois? On a déjà cette démarche-là. Et ouais, le live est vraiment important pour nous, en tout cas. Et on le rentre dans notre démarche de composition. Et en plus, vous êtes vraiment des touche-à-tout, quoi. C'est parce que tu peux passer à la guitare. Je t'ai vu en photo derrière la batterie. Je vois Jock qui c'est pareil, qui est capable d'aller. C'est super important, ça aussi. Ouais, en fait, Jock à basse, c'est un très très bon guitariste autodidacte. Et il a commencé à batterie parce qu'il avait envie. Donc, mais force, il a le rythme dans le sang de toute façon, je pense que c'est indispensable. Et des fois, en fait, c'est moi qui lui apporte des riffs de batterie que j'aimerais bien. Donc voilà, enfin, je suis pas batteur, mais on essaye des trucs en fait. Et des fois, je lui apporte des riffs de batterie et lui, des fois, il m'apporte des riffs de guitare. Donc, je pense que comme c'est un projet un peu, c'est pas du tout scolaire, on est carrément à l'opposé. Finalement, il n'y a pas de règles et c'est ça qui nous plaît aussi. Tout est permis. À un moment, on a pensé mettre un synthé sur scène. Mais après, jouer de la guitare et du synthé, c'est compliqué. Du coup, je me suis créé un système de pédales au pied. Donc, je fais du synthé au pied pendant que je chante. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de limite, en fait. Et c'est ça qui est vraiment cool avec ce projet. Bah d'ailleurs, c'est pour ça que. La seule limite, c'est d'être à deux, en fait. Ouais, c'est ça. Mais n'empêche que votre musique, elle est hyper. Comment dire? Elle est hyper complète parce que. Et pas de bassiste. On aime bien, tu sais, les formations de guitare, une basse, un batteur, un chanteur, machin. Et là, en fait, on se retrouve dans un univers donc, qui n'est pas du stoner, mais qui y ressemble. Puis à un moment, on a des nappes de synthé. Et en fait, enfin, moi en tout cas, je suis pas perturbé et je trouve que la musique, elle est hyper réconfortante en fait. Pourtant, on parle de dark country, donc quelque chose de sombre, mais c'est réconfortant. Alors, ce qui est pas mal de dire aussi, c'est que ce que tu as comme son sur l'album, tu l'as sur scène aussi. Les guitares, en fait, on les a enregistrées en une prise avec trois amplis différents, en fait. Et c'est les trois amplis que j'ai en live. Donc, finalement, le son de gratte que tu as sur le CD, je peux avoir le même en live. Et c'est pour ça que le CD, je pense, il sonne aussi organique que la scène. Bon, forcément, tu as des arrangements en plus des fois, mais c'est quasiment le même setup que la scène et on a le même son, quoi. Et ouais, ça, c'est important, ça, c'est cool. Et puis après, l'univers des cowboys, ça fait rêver les gamins aussi. Ouais, c'est vrai. Mais en fait,
Ouais, Dark Country, c'est pas forcément méchant, tu vois, mais Non, bien sûr. c'est un univers. En fait, on donne des pistes. Comme tu peux le voir, on a fait un gros travail sur la cohérence en fait entre la musique, l'univers, les visuels de la pochette. Il y a tout qui est. On essaye en tout cas que ce soit cohérent et on donne des pistes aux gens. On veut raconter des histoires en fait. Chaque musique raconte une histoire. Quand tu fermes les yeux, tu devrais pouvoir voir un film. Mais on laisse l'auditeur se créer ses propres images et sa propre interprétation en fait. Et du coup, bah, qui c'est qui a réalisé cette pochette, justement? C'est un studio qui s'appelle Vade Retro Ouais. qui a fait récemment une affiche pour Motocultor. Il travaille avec des groupes comme Cadavar, Kvelertak, Gojira, enfin des gros noms. Et en fait, on leur envoyait un genre de un doc Word avec qui expliquait notre univers, avec plein d'idées en vrac. On leur a envoyé un croquis dégueulasse avec ce qu'on voulait. Ouais. Et en fait, ils ont tout de suite capté le truc. Ils ont dit, ouais, ça nous parle, c'est trop cool, machin. On vous propose un truc bientôt, un croquis, un schéma. Et en fait, ils ont envoyé un premier jet. Et on a validé direct, en fait. Ils ont tout compris, tout ce qu'on voulait mettre sur la pochette et ce qu'on voulait mettre en avant. Ils l'ont fait encore mieux que, par exemple, les statues, c'était. On ne voulait pas se représenter, moi et Jock, parce qu'on pensait que c'était un peu prétentieux, tu vois. Mais le fait ils nous ont proposé ça en mode statue, on trouvait ça tellement cool qu'on a dit, vas-y, foncez, c'est trop bien. Et du coup, ouais, on est trop content de cette pochette qui s'est fait naturellement, en fait, avec les infos qu'on leur a données. Et ouais, je suis trop content. Et tu as les vitraux sur la pochette complète. À droite et à gauche, qu'on a refait en live, en fait. Donc tu peux voir qu'il y a une cohérence entre la musique, les visuels et aussi le show live. Alors c'est marrant parce que vous mettiez un peu en recul vis-à-vis de ça parce que moi je trouve que physiquement vous ressortez énormément avec vos tenues sur scène et tout c'est enfin vous avez des troncs je crois alors, je veux dire on vous remarque et je trouve que c'est enfin je trouve que c'est enfin je trouve que c'est un super atout. Donc c'est super cool quoi enfin d'avoir cet univers-là et de vous avoir vous enfin c'est fabuleux quoi. Ouais, bah, c'est vrai que Joke avec ses tatous, moi, la barre, machin, c'est facilement reconnaissable. Et ouais, c'est vrai qu'on a la gueule de l'emploi. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est américain. Bah, ça sonne super américain, c'est ce que je te disais, hein. Celui qui connaît pas, il écoute votre musique, t'as l'impression de te retrouver. Bah ouais, c'est ça, comme tu dis, au Texas ou en plein milieu du Kansas, j'en sais rien, au milieu des, en tout cas des grandes étendues. Et non, c'est français, quoi. C'est ça qui est surprenant, quoi. On se retrouve avec un tel projet en France, c'est génial parce que j'ai pas connaissance d'un groupe qui fasse la même chose en France. Je sais pas si Je t'en as un, toi, crois mais. plus. Non, non, franchement, non. Bon, il y a des duos qui sont ultra bien, genre Inspecteur Clouseau, tu vois. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ouais. Comme on le fait nous, je vois pas. En tout cas, on s'inspire de plein de choses, mais finalement, c'est des influences comme Black Sabbath, par exemple. Donc, c'est très vague. Il y a Depeche Mode, mais en tout cas, je ne vois pas d'autres groupes qui font pareil. Même aux États-Unis, je vois pas trop. En tout cas, Non, 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 parce que ouais. dans la même façon, la même imagerie, j'ai pas trouvé. Moi, tant mieux. Oui, non, non, vraiment, tant mieux, parce que moi, je vous connais que depuis 2 semaines, hein, vraiment, je vous connaissais pas du tout, et puis, bah, voilà, moi, ça me tombe dans les pattes, et c'est ça qui est magique dans notre activité aussi, c'est qu'on tombe sur des groupes qu'on n'a pas vu passer, on se dit, waouh, c'est vraiment cool, et vraiment, je vous écoute en boucle, hein. Bon, là, il fait pas beau, donc c'est moins cool quand il fait moche, mais dès qu'il y a un rayon de soleil, franchement, c'est super cool, quoi, et on se sent happé, j'aime bien en plus le démarrage qui est très rythmique, tout ça,
De suite, en fait, on se fait prendre dans votre histoire, quoi. En fait, on l'a pensé comme un album que de rock des années dans les années 80, par exemple. Ouais. Des albums de rock, c'était sur vinyle, tu l'écoutais du début jusqu'à la fin. Et en Ouais. fait, on l'a vraiment pensé comme ça. Et l'intro, on voulait pas appeler l'intro, on l'a appelé Holster and Rituals comme l'album. Mais c'est vraiment une intro, en fait, c'est pas un titre pour moi à part entière, c'est vraiment une intro qu'on a utilisée. On a mis un clip dessus pour faire la promo et le teaser de notre campagne de financement et de pub et tout ça. Mais ouais, c'est vraiment une intro qui t'amène dans l'univers de l'album. Et après, ça commence cash avec la première. Et t'es dedans, quoi. Ah ouais, complètement. Et là, vous êtes en tournée en ce moment? Ouais, en fait, on a fait trois dates. Une dans le nord, deux en région parisienne. Et ensuite, on est retourné chez nous à Strasbourg vendredi dernier, à la laiterie pour faire notre inauguration chez nous. Et c'était trop cool, c'était plein. Il y avait plein de gens qui nous connaissent, qui sont là depuis le début. C'était trop bien, trop bien. Et les retours sur l'album et le show, du coup, des nouvelles chansons sont vraiment très bons. Donc, je suis content. Ça, c'est super cool. Ouais, les retours sont très, très bons. Vous êtes allé jusque dans le sud de la France, je crois, non? Je Avec sais l'ancien plus. album, ouais. J'ai plus vos dates là sous les yeux, mais ouais, non, c'était pour savoir un peu comment ça se déroulait ouais, dans l'ensemble de la France, les retours en général, ouais. Ben, franchement, on a déjà joué ouais, partout en France et les retours sont vraiment. On est vraiment très très contents, quoi. On a joué déjà en Espagne. En Allemagne, je sais que ça marche. Bon, là, c'est bête, on avait un super festival en Suisse, mais il a été annulé cet été. Mais ouais, je pense que c'est une musique qu'il faut voir en live et qui peut être exportée partout, en fait. Donc, on continue d'avancer et voilà, placer de plus en plus de concerts en fonction des contacts qu'on a. Voilà. Bah c'est cool ça. Donc ouais, donc festival en Suisse qui a été annulé, c'était lequel celui-là? Blue Balls Festival à Lucerne. Ah ouais, ok. Mais bon, il y a d'autres trucs bien cool qui arrivent. Là, on est au 24 heures moto au Ah Mans oui, samedi. exact. Donc ça, C'est c'est vrai un que j'ai gros vu passer truc. ça. Ouais. On a Harley Days à Morzine. On a un show bike à Aquitaine, donc ça c'est des gros trucs bikers quand même. Et comme je te disais, l'album 2 était vraiment connoté biker Ouais. western. Et donc on veut faire de la musique pour tout le monde. J'ai toujours dit, franchement, notre public, des fois on m'envoie des vidéos des parents qui m'envoient leurs enfants qui sont complètement dingues, qui dansent, ils ont 7 ans, ils dansent sur nos clips. Il y a même un gars qui m'a dit que sa maman de 89 ans écoute notre album en boucle. Donc ça me fait trop plaisir. Et on a vraiment un public très large, ce qui fait qu'on peut très bien jouer dans des grosses concentrations bikers, dans des festivals hyper metal, ou alors des festivals mainstream comme Musilac ou Cabaret Vert qu'on a déjà fait, quoi. Là, les 24 heures, ça va être énorme, ça. Ouais.